Salut tout le monde, c'est Bycop, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter la MT-10 de chez Yamaha. Du coup, pourquoi tu l'as choisi du coup? Pourquoi la MT-10? Par rapport à son moteur, forcément. Ce moteur qui, je disais tout à l'heure, qui était très joueur, mais c'est la grosse force de cette moto. T'as l'impression d'avoir un bicylindre parfois, tellement que ça agit rapidement. Et c'est que du bonheur en termes de vibration, en termes de... J'ai du mal à lui trouver des défauts, honnêtement. Ouais. Mais elle est vraiment... le moteur, il est juste exceptionnel. Maintenant que tu as la MT-10, là, est-ce que tu pourrais me donner quelques défauts? Qu'elle a. Beaucoup trop joueuse. Trop puissante, tu veux dire? Trop puissante, à ne pas mettre sous toutes les mains. Ta plus grosse frayeur? Là, tu parles vraiment d'un point de vue personnel? Ouais, personnel. Mais vraiment, au moment où tu es monté sur ta moto et tu t'es fait un peu un monstre, tu te dis, ça y est, je vais y passer. Ah, c'est des tout droits, tu sais, dans des virages, mais c'est tout, en fait. Des trucs où je m'ai vraiment flippé, je n'ai pas eu, honnêtement. T'as eu ton permis depuis quand, du coup? Début 2020. Ah, c'est tout récent. Janvier 2020. Hein. Ok, d'accord. Balade solo ou balade en groupe? Balade en groupe. Avec ou sans chicane? Avec chicane. La personne que tu admires le plus? J'ai pas de modèle particulier, mais j'essaie de prendre auprès de chacun parce que tout est bon à prendre, en fait. Ta prochaine moto? La prochaine moto, pour l'instant, j'ai pas prévu du tout de la changer. Pour l'instant, je ne changerai pas parce qu'elle suffit largement. Et si je dois changer, ce sera soit pour une moto moins puissante, soit effectivement dans quelques années pour un trail, pour faire des road trips. Question hors sujet, pain au chocolat ou chocolatine? Oh là là. Chocolatine, au secours. Mais tu vas avoir des Moi, problèmes. Moi, c'est des pains au chocolat. Là, bien sûr, c'est des pains au chocolat. Bah oui, pas de chocolatine, pas à Nantes. En tant que breton en plus. Bon, ok, d'accord. Non, pain au chocolat. Prénom, âge, ta première moto et ta dernière moto. Antoine, 30 ans, permis en fin 2019, exactement. Première moto dans la foulée avec une VR6N. J'ai acquis ensuite un an après une MT-07, début 2022, la MT-10. Est-ce que tu pourrais me présenter ta petite bête? La petite MT-10, achetée d'occasion, je suis à deuxième main. J'ai fait quelques petites choses depuis. Support de plaque court est quand même beaucoup plus joli. La ligne d'origine, j'ai pas modifié pour l'instant. Peut-être un projet, et pour l'instant, c'est pas un projet qui va aboutir dans l'immédiat. J'ai rajouté le sabot moteur. Je l'ai acheté sur un site internet. D'accord, et tu l'as payé combien? Je l'ai payé dans les 200 euros. C'est quoi? C'est en carbone ou c'est juste... Non, c'est du plastique tout simple. J'ai rajouté également les protèges radiateurs. Full black. C'est pas du AliExpress, j'espère. Non, pas du tout. Je sais plus, sur un site internet, je sais plus c'est lequel. Les deux radiateurs sont juste énormes. Le gris, ça passait moins bien sur cette moto full black. Les deux radiateurs, du coup? Ouais. Parce que tu sais à quoi sert l'un et l'autre? Pas du tout. Mes connaissances mécaniques, ouais, elles sont juste, pour rester poli, nulles. D'accord, ok. On va demander ça aux abonnés, il y a bien quelqu'un qui va répondre. Ça, c'est la bulle d'origine. Il y en a beaucoup qui se posent des questions par rapport à ça, mais non, c'est bien la bulle d'origine. J'ai rajouté ces deux rétroviseurs qui étaient à la base sur ma MT-07. Initialement, je l'ai acheté avec les rétroviseurs en bas. J'avais acheté comme ça, mais du coup, j'ai interverti les deux paires. Deux éléments de protection trop importants, protège carter. Niveau de la selle, c'est... Confort, j'ai acheté comme ça. Mais du coup, ouais, c'est une selle confort avec du gel dedans. Enfin voilà, c'est la vraie selle confort. Il y a évidemment le shifter aussi. Le shifter, mais juste en up. La dernière version 2022, il me semble,
où il y a le up and down. Et c'est un vrai bonheur. Tu m'étonnes. C'est fluide ou pas? Parce que sur la MT-09, c'est un peu brutal. Ouais, c'est très fluide. Si tu respectes les rapports, la vitesse, c'est fait pour. Clignotant autant d'origine, avant comme à l'arrière. C'est des LED? D'un point de vue, c'est LED. D'un point de vue esthétique, j'y trouve plus que correct. Franchement, ouais. Les suspensions qui sont réglables aussi manuellement, à l'avant comme à l'arrière. J'ai pas l'impression d'être sur un bateau comme avec mon ancienne MT-07. C'est des pneus T32 qui sont montés d'origine. J'ai changé pour des Road 6. Je trouve pas très très joli parce qu'il n'y a pas de couleur. Pas comme la nouvelle génération 2022. Ouais. Mais il fait le taf. Donc, il y a le traction control qu'on voit ici. Il y a trois modes de conduite. Là on voit la température moteur, la température de l'air, les rapports engagés, le contour, l'entrée USB qui était déjà installée lorsque je l'ai acheté. Bien pratique pour faire des road trips et pour faire des longues balades. Quoi. On laisse une vraie position rotation en fait. Le guidon, c'est d'origine aussi? C'est assez large. Hein. Guidon d'origine aussi, ouais. Ouais, franchement, ouais. Top. Bien, merci beaucoup Antoine. On va partir sur la route, essayer cette petite bête. Fais-toi plaisir. Yes. C'est n'importe quoi. Elle est nulle cette moto, mais vraiment, elle est nulle parce qu'elle est trop dangereuse, c'est tout. 2009, c'est la toute première apparition du moteur Crossplane sur une base de R1. Quelques années plus tard, 2015, Yamaha décide de montrer à la presse et au grand public leur nouveau modèle roadster, la MT-10. C'est exactement la même base que la R1. Ils ont dégonflé un petit peu en 40 chevaux en moins. Franchement, je pense que les 40 chevaux, c'est juste sur le papier. Parce qu'une fois que tu l'as sur route, tu dis les 40 chevaux, ils sont toujours là. Hein. Mais au final, elle fait 160 chevaux, en tout cas sur la fiche technique. Et ensuite, 2016, Yamaha décide de lancer sur le marché, donc en France et international, leur nouveau modèle, la MT-10. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous essayer la MT-10 de 2020. Elle a subi quelques changements depuis la première version, c'est-à-dire que Yamaha a revu un petit peu la cartographie voilà, du moteur à bas régime et à mi-régime. Au niveau du shifter, c'est très 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 doux. Et j'ai pensé que ça allait être un peu plus brutal que ça. Vous avez le shifter de série, vous avez le traction control niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Vous avez trois modes possibles, le mode 1, le mode 2, le mode 3, sachant que le mode 1, c'est le mode sport, le mode 2, c'est le mode standard et le mode 3, c'est le mode pluie. Ça arrache quand même la gueule, hein. C'est juste que la puissance, elle arrive plus douce. Voilà. Vous avez également le régulateur de vitesse accessible entre 50 et 180 km sur le rapport 4e, 5e et 6e. En dehors de ça, tu ne pourras pas le déclencher. Le mode sport avec le traction control désactivé est plus accessible que la MT-09. Je m'explique. Quand je parlerai de MT-09, je parle de la MT-09 phase 1. Les autres, je ne sais pas, je n'ai pas essayé. Donc, sachant que voilà, tout ce que je vais dire, c'est purement subjectif. Vous ne pouvez pas être d'accord avec moi, c'est normal. Sur la MT-09, vous avez un châssis de merde. Alors, je parle de la phase 1. Alors que sur la MT-09, vous avez un châssis qui est vraiment très efficace. Et vous avez l'amortisseur direction déjà qui est fourni de série. Ça, c'est vraiment top. Voilà, je vais mettre ici, j'ai désactivé le traction control. Traction control désactivé et on va se mettre en mode sport. C'est parti. J'ai le cœur qui s'emballe un petit peu là. Mais c'est n'importe quoi. Je me suis fait moins peur en mode traction control désactivé et en mode sport. Parce que voilà, vous avez un châssis qui est vraiment très efficace. Quoi.
C'est la MT10. Voilà. Concernant la position, bah là on est sur une position vraiment roadster classique. Hein. Donc légèrement vers l'avant, mais pas énormément. Sur 1m90, j'ai des longs bras, 95 kg et je suis extrêmement bien dessus. Je pourrais avaler des kilomètres et des kilomètres sans aucun souci. Pardon. Il y a autre chose aussi qui me gêne un petit peu, c'est le bruit d'origine. Je trouve que c'est pas en accord par rapport à la puissance de la moto. C'est juste un petit détail. Je dois avouer qu'il y a quand même un petit truc de MotoGP quand tu montes haut dans les tours. Si j'ai l'occasion d'avoir une MT10, on sait jamais, je pense que je changerai au moins la cartouche. Yes, tu pars à gauche, moi je pars à droite, c'est parfait. Je vais juste activer le traction control niveau 1, parfait, et je vais mettre en mode 2, voilà. Et c'est le genre de moto qui aime bien les grands espaces. Et là, c'est tout petit, je connais pas trop, donc je préfère aller doucement, ok? Allez, c'est parti. Ouais, j'avoue que le son d'origine est quand même pas mal, j'avoue, je dois l'avouer. Tu vois, je suis en train de changer d'avis. Parce que du coup, tu prends le plaisir pour toi parce que le son, voilà, c'est quand même, on va pas se le cacher, c'est quand même assez agréable. Et en plus, tu déranges pas trop le voisinage, donc c'est très bien. Merci beaucoup. Allez, mode 1, on va voir ce que ça donne. C'est n'importe quoi en mode 1. Oh la vache, elle veut lever quoi. Elle veut me catapulter. Les sorties du virage sont beaucoup trop dangereuses. Oh putain. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça. Oh putain, hey, j'ai des petits papillons dans le ventre. Ah putain, merci Yamaha. Voilà mes amis, nous arrivons à la fin. Merci beaucoup de rester jusqu'ici. N'oublie pas, c'est très, très important. C'est très important. Laisse un petit like, un petit commentaire. Partage si tu veux. Voilà, ça, t'es pas obligé. Mais le like et le commentaire, voilà. Si tu sais pas quoi dire, mets des petites icônes, des emojis là. T'es content, t'es pas content. Moi, ça me va parfaitement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'y vais pour répondre. Et voilà, nous arrivons à la fin. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de votre famille. C'était Bike Up pour te servir. Et ciao.